C'est inédit. Le Parlement européen vient de demander à la Commission européenne d'étudier l'inscription du crime d'écocide dans le droit européen. L'écocide, c'est un crime, celui de détruire l'environnement au point de mettre en danger la sûreté de la planète et notre capacité à y vivre. À Jean Orange, au Vietnam, chlordécone, en Guadeloupe et en Martinique, les catastrophes nucléaires de Tchernobyl et de Fukushima, les mégapollutions comme celles provoquées par la marée noire de Deepwater Horizon ou encore par Chevron en Équateur en sont les exemples les plus connus. Ces crimes sont aussi une source de profit pour certains, aussi lucrative que le trafic de drogue, avec des conséquences désastreuses sur notre santé, notre environnement, mais aussi le tissu social et démocratique de nos sociétés. Ils ont trop souvent lieu dans les pays en développement où les législations environnementales sont les plus faibles, détruisant la biodiversité, les moyens de subsistance, ainsi que la santé des populations les plus vulnérables, comme par exemple les peuples autochtones. Pourtant, à ce jour, notre droit pénal ne reconnaît pas ces crimes et donc ne condamne pas leurs coupables. Les atteintes aux vivants ne sont condamnées qu'en temps de guerre et même les atteintes à l'environnement ayant des impacts directs sur les droits humains passent trop souvent entre les mailles du filet et restent impunies. Reconnaître l'écocide, c'est garantir que des chefs d'État, aux entreprises et aux crimes organisés, personne ne puisse continuer impunément à porter atteinte aux vivants. Nous nous battons donc avec le groupe des Verts au Parlement pour les inscrire dans le droit européen. Au début de notre mandat, le concept d'écocide était pratiquement inconnu. Mais nous nous sommes battus, nous avons avancé pied à pied et aujourd'hui, le Parlement réuni en plénière vote pour cette demande de reconnaissance de l'écocide. Attention, ce n'est que le début du chemin. Pour pouvoir continuer à mener cette bataille et pouvoir inscrire véritablement l'écocide dans notre droit, nous avons besoin de votre mobilisation. Ensemble, demandons aux dirigeants européens d'enfin reconnaître, condamner et donc prévenir les écocides.